Bonjour mes amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir la 23e case du calendrier de l'Avent-Essence. On est le 23 décembre, donc écoutez, le Père Noël il a un petit peu froid aujourd'hui. On a une lumière incroyable, enfin il fait tout gris, plein de brouillard, mais donc du coup moi j'ai un petit peu froid, donc je me suis couverte. Je vous retrouve donc avec mon calendrier sur les genoux. On va chercher la 23e case, tout de suite, elle est là, donc c'est une jolie boule de Noël. Donc elle est ici, la 23e case, elle est grande comme ça, elle fait cette largeur là, elle est donc à l'intérieur d'une boule de Noël. Et puis donc on a un petit, voilà, petite accroche ici, on ouvre, ah, bah écoutez c'est quelque chose qu'on a déjà eu, et donc c'est la deuxième édition. C'est un gloss. Le premier qu'on avait eu était d'une autre couleur. Je crois qu'il était un petit peu plus... attendez, je crois qu'il est par là. Ouais, il est là. Il était plus rouge. Celui-ci, il est plus violet. Donc, voilà celui qu'on vient d'avoir. Et voilà celui qu'on avait eu la dernière fois. Je ne sais pas si les couleurs... Ouais, donc celui-là, vous voyez, il était plus rouge que celui-là. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Il y a marqué Cherry Kiss, donc c'est la même chose. Il doit y avoir une couleur quelque part, mais je ne la vois pas. Là, vous voyez, on a un petit sapin ici qui est dessiné. Donc voilà, Glossy Kiss. Voilà, petit cadeau de Noël dessus. Et donc c'est un embout comme ceci, voilà, on va regarder ce que ça donne, on a l'air assez, ouais. L'autre j'ai essayé de le mettre, je trouve qu'en fait il n'était pas uniforme au niveau de la couleur. Ouais, il sent très bon, il a un petit goût, ouais, il a un petit goût de cerise. Écoutez, voilà donc le deuxième petit gloss que l'on a dans le calendrier de l'Avent. Je suis, voilà, mitigée, hein. Je suis pas mécontente parce que du coup moi j'aime bien de temps en temps mettre du gloss, j'en avais mis aujourd'hui d'ailleurs. Par contre, cet embout-là me convient pas très bien. J'arrive pas du tout. Enfin, la dernière fois, j'ai essayé d'en mettre et j'arrive pas très très bien à le mettre. C'est pas très simple. Donc, je sais pas si je m'en servirai très très souvent. C'est pas grave, hein. C'est pas très grave. Bien, mais écoutez, voilà, on vient d'ouvrir notre 23e case. Ah, il faut peut-être qu'on regarde la petite phrase. J'allais oublier la phrase. Alors, borrow a kiss today and give it back. Donc, emprunter un bisou aujourd'hui et le rendre plus tard. Donc, emprunter un bisou aujourd'hui et le rendre plus tard. Je comprends pas bien, mais bon, voilà. D'ailleurs, une subtilité qui m'échappe, là, je pense. Voilà, écoutez, en tout cas... On referme la 23e porte et dire qu'elles sont donc quasi, elles sont toutes ouvertes, à part celle du 24. Elle est où celle du 24? Je n'ai même pas regardé. Non, on ne regarde pas. Allez, on ne regarde pas. On ne va pas commencer le dernier jour à se spolier pour le lendemain. Hein. Écoutez, voilà mes amis, donc c'était la 23e case. Je vous fais des très très gros bisous et puis rendez-vous demain, le dernier jour, pour ouvrir la 24e case. J'espère que ça va, que vous êtes au taquet pour vos cadeaux de Noël, que tout est fin prêt, que si vous recevez du monde aussi à votre domicile, vous êtes prêt pour le repas, pour accueillir tous les gens que vous aimez, toute votre famille, les petits et les grands. Voilà, je vous fais des très très gros bisous, passez des bons moments en tout cas ensemble, en famille, entourés des gens que vous aimez. Je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à demain. Salut mes amis.
Cold in shoes, you tight carrot. La 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 la.